Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous annoncer le tournoi en 1v1. Allez, let's go! Donc, comme je disais les amis, au début de cette vidéo, je viens vers vous pour vous annoncer le tournoi en 1v1 0 construction. Oui, oui les amis. Pour la première fois, je vais faire un tournoi en 1v1 0 construction. Donc, dans cette vidéo, vous saurez comment participer au tournoi, quel jour que c'est le tournoi, et qu'est-ce qu'il y a à gagner durant ce tournoi, et combien de personnes pourront gagner durant ce tournoi. Oui, très important les amis, très important. Vous verrez par la suite pourquoi je dis ça. Mais restez bien jusqu'au bout de cette vidéo les amis, parce que dans cette vidéo, vous saurez de tout comment ça va se passer de A à Z. Allez, c'est parti. Première étape, les amis. La première étape, les amis, durant ce tournoi, je serai en mode abonné. Pourquoi ? Parce que je veux que ça soit un abonné qui gagne, d'accord ? Je veux pas que ça soit un non-abonné qui gagne. Ça serait pas juste pour un abonné et ça serait pas juste pour moi. C'est, voilà, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, les amis. La deuxième étape, c'est de pas être en mode anonyme, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si tu gagnes et que tu es en mode anonyme, tu seras disqualifié sur le champ et ça sera le deuxième joueur qui t'a affronté qui gagnera. D'accord ? Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc pas de mode anonyme. Pour ceux qui savent pas comment faire le mode, enfin comment défaire le mode anonyme, je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, let's go. Donc on est sur Fortnite les amis. Voilà, on va dans les paramètres. Hein. Voilà. On va au petit bonhomme, vous descendez, là les amis, c'est cacher votre pseudonyme dans le mode normal. Vous décochez non et vous validez les amis, d'accord ? Comme ça vous serez plus en mode anonyme. Donc voilà pour cette première explication. La troisième étape les amis. La troisième étape les amis, comment ça va se passer ? Il n'y a pas besoin d'être inscrit pour participer au tournoi. Tout le monde pourra participer au tournoi. Tous ceux qui seront présents sur le live pourront participer au tournoi. Comment ça va se passer pour tirer les joueurs ? D'accord ? Ça sera totalement au hasard. D'accord ? Je vais prendre mon netbot. Le netbot va trier parmi ceux qui seront sur le chat. C'est pour ça les amis, restez bien sur le live du début à la fin. Parce que celui-là qui quittera, malheureusement, ne pourra pas participer au tournoi. D'accord ? Faut vraiment rester du début à la fin. Donc comment ça va se passer les amis ? Je vais faire un tirage au sort avec le netbot. Je vais tirer deux joueurs. Mettons le joueur A est tiré au sort. Et ben je l'invite. Il va me demander en ami. Il me demandera en ami. D'accord ? Moi je vais l'accepter. Il viendra avec moi dans mon groupe. Et après je referai un autre tirage au sort. Mettons c'est le joueur B. Le joueur B va me rejoindre dans le groupe et me demandera en ami s'il m'a pas en ami. D'accord ? D'accord ? Une fois le tirage au sort fait, on va aller sur la map que je vais vous faire voir juste après. On va aller sur la map en question. D'accord ? Le joueur A et le joueur B vont s'affronter. D'accord ? En 1v1. D'accord ? Mettons, c'est le joueur A qui gagne. Et ben, il est qualifié pour le deuxième tour. Par contre, le joueur A, faudra rester sur le chat. Parce que une fois que tout sera fini et qu'on passera au deuxième tour, j'appellerai, mettons, le joueur A et le joueur D. Si par exemple, le joueur A me répond pas au bout de 3, les gars, et ben c'est le joueur D qui gagnera, qui passera au tour suivant, d'accord ? Vous aurez compris, c'est comme une coupe du monde, les amis. On va faire, au début, on va faire un tas de joueurs. Après, au deuxième tour, il ira en huitième de finale, ça sera quart de finale, demi-finale, finale. C'est comme une coupe du monde, les amis. Vous voyez une coupe du monde ? C'est exactement la même chose. On va faire la même chose. C'est pour ça que ça risque d'être un live un peu long, mais au moins, ça sera un tournoi, un vrai tournoi, d'accord ? Voilà. Par contre, les amis, la règle aussi, tenez-vous bien, les amis. Là, le joueur A n'a plus le droit de jouer, d'accord ? Puisqu'il est qualifié pour le deuxième tour, ok ? Là, le joueur B a perdu. Alors, bon, il a perdu, affiché, j'ai perdu. Et ben, il peut rejouer, il peut retenter sa chance, mais il affrontera un autre joueur. Il affrontera, mettons, le joueur C, d'accord ? Il affrontera un autre joueur. Et ainsi de suite, les amis. Si par exemple, il perd encore une fois, le joueur B, il peut rejouer autant de fois qu'il veut, jusqu'à temps qu'il gagne, jusqu'à temps qu'il est qualifié pour le deuxième tour. Une fois qu'il est qualifié pour le deuxième tour, il ne pourra pas rejouer, d'accord ? Il faudra attendre le deuxième tour. Voilà, vous avez compris, les amis ? Comme ça, je laisse la chance à tout le monde. Voilà, tout le monde pourra jouer. Comme ça, tout le monde a sa chance. Si par exemple, t'arrives pas une première fois, tu peux retenter une deuxième fois. Si t'arrives pas une deuxième fois, tu peux retenter trois fois. C'est infini, en fait. C'est infini. Voilà, jusqu'à temps que je dise stop. Jusqu'à temps que je dise stop, il y a assez de joueurs pour le deuxième tour. Voilà, d'accord ? Une fois qu'il y aura assez de joueurs pour le deuxième tour, j'arrêterai les tirages au sort. Il y aura juste à mentionner les noms. D'accord ? Vous avez compris ? Voilà. Voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur la règle. J'espère que vous avez bien compris, les amis. Vraiment. Après, si vous avez mal compris, dites-le-moi en commentaire, les amis. D'accord ? Je vous dirai en commentaire. Si vous n'avez pas bien compris, je vous le dirai. D'accord ? Même ce jour-là, le jour du live, je vous le redirai comment ça va se passer. Parce qu'il y aura des nouveaux. Il y en a qui n'auront pas vu la vidéo. Hein, et il y en a qui viendront juste connaître la chaîne. Donc passons à la découverte. Donc la découverte, les amis. Voilà, on est sur Fortnite. La découverte, c'est la map.
Allez, let's go, on y va. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer, les amis. Suivez bien la map, parce qu'il y a une règle aussi à respecter dans la map. Donc, suivez bien la map. 1v1, goulag sur un terrain militaire. Dédicace à Kozak et à Xerox qui m'ont aidé à faire la map pour le tournoi. Donc, dédicace à eux. Je mettrai en description leur chaîne. Donc, si vous voulez les remercier, abonnez-vous à leur chaîne. Voilà. Donc, là, on arrive, les amis. On arrive sur la map. Ça lance la partie. Voilà, ça lance la partie. Voilà, donc, les amis, ça va lancer la partie. Là, vous voyez, il y a équipe 1, d'accord? Là, c'est le boss spectateur, ok? Et là, c'est équipe 2. Donc, suivez bien, les amis, là, suivez bien. Donc, par exemple, t'arrives sur la map, t'es équipe 2, ok? Il faut que tu restes tout le temps équipe 2. Faut pas que tu vas à équipe 1, mettons. Faut vraiment que tu restes à équipe 2. Ok? Voilà. Donc, dès le début, tu peux choisir soit équipe 1 ou soit équipe 2. Après, attention, il n'y a pas de différence, les amis. Équipe 1, comme ça soit équipe 2, c'est exactement la même chose. D'accord? Il n'y a pas de différence. Après, si tu veux choisir, tu peux choisir. Voilà. Mais après, moi, je te conseille, dès que tu te poses, si par exemple, tu arrives à équipe 2, autant rester à équipe 2. Ça t'évitera de te déplacer. Voilà, c'est un conseil. Après, moi, les amis, comme je participe pas, je regarde, je serai en mode spectateur, d'accord? Je serai en mode spectateur. Voilà, vous aurez juste à rentrer dans le portail numéro 1 ou numéro 2. Allez, let's go, place à la découverte. Donc, voilà, les amis, on est sur la map. Donc, à chaque coup que, les amis, je vais vous faire voir, l'équipe 1 apparaîtra là et l'équipe 2 en face, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas trop de différence, c'est les mêmes, c'est identique. Donc on est sur la map, les amis. Donc vous pourrez, comme vous faites, vous aurez une arme. Dès le début, vous aurez des armes, ok? Des balles infinies, d'accord? Des balles infinies, d'accord? Il n'y a pas de règles. Et c'est sur 5 parties. Je m'explique, les amis. 5 parties. Donc par exemple, tu fais 3-0. Allez, tu fais 3-0. T'es fort, t'es chaud. Tu fais 3-0, la partie s'arrête. Une fois que vous aurez 3 points, la partie s'arrête. D'accord? Si par exemple vous êtes en égalité, malheureusement, il faudra aller jusqu'au bout, jusqu'aux 5 parties. Voilà. Donc, une fois que tu es qualifié, eh ben, après, il faudra t'attendre le deuxième tour. Voilà. Donc, voici la map en question, les amis. Vous pouvez vous entraîner, les amis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la visiter, tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, je mettrai encore une fois le numéro de la map en description. Donc, franchement, je vous conseille de bien regarder vraiment tous les détails. Vraiment de tous les détails. Parce que ça s'annonce pas facile, les amis. Vraiment pas facile. On peut escalader, d'accord? On peut escalader. On peut presque tout faire, hein, les amis. Vraiment. Regardez, oh, la dédicace à moi. Hein, style dino, d'accord? C'est une dédicace. Voilà. Franchement, elle est pas mal la map. Franchement, pour un tournoi, elle est vraiment pas mal. Vraiment. Et encore une fois, dédicace aussi à Pomos. Parce que, bon, il nous a pas beaucoup aidé. Mais il a trouvé l'idée de les caisses. Voilà. Les caisses de chargement. Il a trouvé l'idée d'en mettre. Et je trouve que c'est pas mal. Au moins, tu peux garder. Par exemple, il est là, mettons. Tu peux te cacher là. Et puis, tac. Voilà. Quoi. Vous voyez? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir la map par vos soins. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, moi, je serai en mode spectateur. Vous me verrez pas, le personnage, vous me verrez pas. Vous me verrez que vous deux. Enfin, ceux qui seront en train de jouer. Donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire les amis sur la map en question. Petite précision les amis avant que j'annonce qu'est-ce qu'il y a à gagner et combien de personnes qui pourront gagner. Petite précision que j'avais oublié de faire. Mettons le joueur B, comme je disais, il a perdu. Ok, il pourra rejouer autant de fois qu'il veut. Mais il sera obligé de retirer au sort. D'accord ?
c'est le Nelbot. Il faudra que le Nelbot re-choisit le joueur B pour qu'il revienne retenter sa chance une nouvelle fois. Voilà. Ainsi de suite. À chaque coup qu'il perdra, il sera obligé d'attendre que le Nelbot le retire au sort pour retenter sa chance. Ça, c'était la première précision, les amis. Voilà. Je voulais vraiment préciser le fait que, oui, ok, il a autant de chance qu'il veut, mais il doit re-être tiré au sort. Et deuxième précision, les amis, si par exemple le Nelbot re-choisit le gagnant, je referai un autre tiré au sort pour qu'il choisisse un autre joueur. Parce que, je rappelle, il n'a pas le droit de rejouer. Si par exemple il est qualifié pour le deuxième tour, il n'a pas le droit de rejouer. Voilà, vous aurez compris. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner, les amis? Eh ben, je sais, je vais être un peu méchant là-dessus, les amis. Je vous le dis pas. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ça sera des V-Bucks. Franchement, ça sera des V-Bucks qui aura à gagner, à dépenser dans la boutique. Mais je vous dis pas combien. Comme ça, vous penserez pas ce jour-là, vous penserez pas au V-Buck, vous concentrez un maximum sur la game. Et combien de joueurs qui a à gagner, les amis? Celui qui gagnera le tournoi gagnera un super cadeau. Le deuxième joueur gagnera un moyen cadeau. Et le troisième joueur gagnera un petit cadeau. Vous aurez compris, les amis, ça sera trois joueurs qui gagneront, ils auront la possibilité de gagner un cadeau. Voilà, donc le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, pour être dans le top 3 pour gagner un cadeau. Voilà, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire, les amis. Bien sûr, ça sera des V-Bucks à dépenser dans la boutique. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, amis, comme des tournois normaux. Donc, j'espère que, les amis, ce tournoi vous fera plaisir. Donc, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire au niveau des cadeaux et combien de joueurs pourront prétendre à gagner les cadeaux. Maintenant, passons au jour du tournoi. Quand est-ce que c'est? Le jour du tournoi, les amis, ça sera le mardi 29 août à 15h. Je répète, mardi 29 août à 15h. Durant ce live, les amis, par contre, je sais qu'il y en a qui vont me dire hein, mais je le dis quand même. Je sais qu'en commentaire, il y en a qui vont dire ouais, mais toi, t'es jamais à l'heure. Je le sais. Mais là, les amis, soyez bien à l'heure. Soyez très bien. Enfin, soyez vraiment à l'heure, les amis. Pourquoi? Parce que le tournoi commencera tout de suite dans la foulée, les amis. Dès que je commence le live, je commencerai une petite game tranquille, peinard, pour s'échauffer, comme d'habitude. Et aussitôt que la game se termine, je commencerai le tournoi, c'est-à-dire les tirages au sort. Donc c'est pour ça, soyez bien à l'heure, les amis. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'attendre une heure précise pour faire le tournoi. Ça sera tout de suite après la game. Voilà la petite précision. Et je serai à l'heure, les amis. Je serai à l'heure. Oui, je m'y tiens, je serai à l'heure. Le mardi 29 août à 15h. Voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Donc, je vous souhaite à tous et à tous bonne chance, à tous les participants, vraiment bonne chance, parce que c'est 1v1, ça s'annonce pas facile, vraiment. Je vous conseille de vous entraîner sur la map, les amis, de observer tous les détails, vraiment tous les détails, de jouer stratégie, de imposer votre stratégie, et voilà. Quant à nous, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou un prochain live, et je vous dis ciao, ciao, bye bye. Ciao, les amis, ciao, et bonne chance à tous.